Le chargement n'est pas en panique du tout. Et il prend son temps. C'est la base. これより我がキャッスルはオリジンに対し総攻撃を開始する。これは偽りの戦いではない。命をこの手につかみ取るための戦いだ。今ひととき諸君らの命をこのメリア・エンシェントに預けてほしい。おGenre, on va se taper vraiment là? Filez-moi des Gunplug Xenoblade Chronicle 3, s'il vous plaît! Le gros robot géant. Oh. では今私たちの未来を作ろうと戦っている者たちがいます。生きるということの本当の意味を教えてくれようとしています。彼らが作ろうとする未来、指し示されたその道に寄り添って共に行きましょう。Ah, c'est du méca porno.戦いに勝ちさえすれば、この
道場作ります。あんたのために俺たちの新しい世界を。世話をかけたな。いいえ、滅相もない。私はなすべきことをなし、託すべき者たちに託しただけです。その喋り方、まだ続けていたのか。あら、似合いませんか。柄ではなかろう。なら思いっきり行こうかね、メリア。ああ、共に。未来を紡ごうとする若者の思い、それは世界を前に進めるために必要な力。最初の一歩を踏み出すことが怖いってのはわかるよ。でもね、かつて世界を前へと進めてきた若者たちは皆その怖さを乗り越えてきたんだ。未来にあんたたちがいるって信じて。Tire pas trop près. わかったよ。メビウスの力の本当の源が、なぜ永遠の今を求めようとするのかが、僕も分かった気がする。女王のあの言葉、僕たちのうちにもメビウスはある。ああ、あれ私たち自身だ。自分で自分を怖がって、決めつけて未来への道を閉ざしてる。その可能性を。だったらできることはただ一つ。信じるんだ、これまでの俺たち自身を、その先にある未来の姿を。そして我らメタック。あ、je peux pas m'avancer plus。On est d'accord que Nia, la reine, c'est celle du 2. C'est la Nia du 2.
J'ai jamais fini le livre. Je sais que Terran ou un. Vraiment pouvoir stylé bienvenir. De même. Oula. Ça m'arrête d'avancer. Arrête. Et un gros state. Insiste bien les choses. C'est tout, 22. Oh. Ça attaque Stromae. Ah non, elle est pas de retour. Oh. Donnez-moi deux bons petits trucs. Ouais. Parce que j'espérais, mais bon. Et pas eu de Lobulos. Quelle tristesse, dommage. Et ça passe. Ah, peut-être là. Oui. C'est toujours les mêmes. Thank you.
合わせよう。Enfin! Voilà, ça ne fait que un exceptionnel. Enfin, les 250 dépassés! On a besoin de soins. C'est un peu la panique. Wow! Pourquoi j'ai pris des dommages? Nani? Mais si je fais ça, je vais pas mourir aussi. Et j'ai pas de anti-soin. Il n'y a pas de taillon, mais c'est pas grave.
toute seule. Pardon. T'es encore mort. Sous ma tête. On en a chu. Toujours la première ulti qui est vachement plus dommage. Même pas sûr que ça passe en réalité. Pouf. Qui peut pas ouf. Oh là là.
までやっちゃうよ。この作戦でどうだ。ああ、やってやる。僕が先陣を切る。Oh, avec elle ça passe. Oh, j'ai le seum. Bon, au moins on a lui. Faudrait compter le nombre de Ouroboros qu'on a eu où c'était Lance. Je crois que sur tout ce qu'on a, il a 90% du temps. Quoi, une P3? Let's go! おい、ミオたちの姿がねえぞ。いや、今はあいつをやるしかない。え？ここに3。何？これが俺の力だ。行くぞ。Ah, c'est tendu. Heureusement que j'ai mis Lent en sweep. Imagine tu meurs, tu dois tout recommencer depuis le début. Dépêche-toi! Cinématique. Noa tachi ga toravarete shimatta ka. Engo o isoganeba. Kore demo kurai na. Ça joue. お待たせ。お前らかっこつけやがって。でもありがてえ。グロリアスエースチェイク。これが俺の力だ。重ねる。
micro. Les poteaux, ils servent à quelque chose. Enfin. Attends, je peux faire un enchaînement avec eux tous? Oh, ce serait la craque. Non mais rapprochez-vous, laissez-moi passer, laissez-moi taper. Oh, bloquez le chemin. Bon, ils servent à quelque chose, mais pas à grand chose. La phrase n'avait aucun sens, je crois. Ah, je crois pas qu'on puisse, on le détruit un peu trop vite. Donc, c'est quoi, je vais me mettre tout devant, voilà. Comme ça au moins je suis sûr de le toucher. Crystal, comme on l'a vu, Liton, Lisato, Alexandria, qui d'autre? Je me souviens de leur blague. Incroyable. Fiona, elle est avec nous, ça va. Le gars. Toujours à la faire comme intéressant, lui. Pourquoi eux ils font leurs ultis et quand c'était avec Noah, pas du tout. On peut pas le temps. Much puissance. C'est quoi, je vais la garder. Allez, la P4. Ce boss qui veut pas crever. Oh,
Alors, toi t'as beaucoup de soutien, partage-le. Et quoi, Eni, on va te garder pour le 50. Je suis sûr que tu peux le faire. Et ça va être beau. La musique est sexy. C'est beau. Mais là tu le fais pas, mais au secours, JPP. Des fois, t'as l'impression que c'est un peu du pifomètre, hein, vraiment. Ouais, bah là, ça marche. Après, j'ai réussi à déséquilibrer, mais... Des fois que tu fais la même attaque, ça rapporte que dalle, tu vois. Tu fais. Ok. Oula. Ah non, calmez-vous. Oh oh. Oh oh. Il a envoyé des oiseaux. Pas très sympa. Oh,
mais ça baisse toutes les stats en fait cette attaque. Les bras. Quoi la tornade? Non Mio, pas que crap. Pas que je crève non plus. Parce que j'aimerais bien faire un enchaînement au Lobolos. Non ! Let's go. Ah, à moins que je ne puisse pas. Ok madame. Mais j'ai pas pu faire mon enchaînement niveau 3. C'est le boulot. Des soins s'il vous plaît. Merci. Ah, ils sont quand même avec nous là. Très bien. Tu n'es pas à ton niveau 2. Ouais mais non. Ils l'utilisent tout le temps niveau 2. Au secours.
Des claques de partout, je comprends plus rien. C'était cosme. Ah, c'était une illusion. C'est vrai qu'il peut faire ça. Aïe. On y est. 90% déjà en fait. T'es pas paniqué. Ça arrive souvent. Oh, j'ai failli le louper. J'ai failli paniquer. Oh, le 1. Let's go. Mes mains au secours. Hanoa qui panique, il ne sait plus. Tu me la réactives, elle. Ah. La grosse tête qui chute. Il y a une idée.
On finit sur une vieille attaque finale nulle. Non. なんて強さだ。こんなにも人の思いが強いだなんて。当然だろ。怖いんだよ。どうなるかわからない明日が、自分が。S5? 止まることなんてできない。止まっても自分は変わらない。世界は変えられない。だったら俺は進みたい。俺たちのこの手で未来を選び取りたい。選び取れない時はどうする。その絶望は誰が癒してくれる。世界には己しかおらぬ。ならば絶望を癒してくれるのは消滅のみだ。それが世界なのだ。嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ。そんな世界嫌なんだ。副長、あの光はオリジン内部からの光。いや、メビウスたちの叫びか。なんて強え叫びなんだ。なあ、見よ。あの時消えたんじゃなかったのか。うん、一緒にいたんだよ、ノアたちと。だって元は一人の人間なんだから。俺たちは後悔から生まれた。エヌ、希望から兆したお前たちとは違い、俺たちにあるのは後悔だけだ。あの時こうしていれば、もし違う自分であったなら。だから自ら変わろうとはせず、ただ世界が変わることだけを願った。共に永遠にありたいという身勝手な願いにすがった。それは自然なことよ。誰だって願うことだもの。恥じることなんてない。ありがとう。でも私たちの存在がこの静止した時の中にとどまろうとする者たちに力を与えている。ならば選ぶべきはただ一つ。やめろ、エム、エム、やめるんだ。メビウスは俺たちで何とかする。あそこにいるのはゼットでもメビウスでもない。たった一つの切なる願い。願いにあなたたちの思いは届かない。だけど同じ願いである私たちならば、ここにいていいんだ。いや、いよう、俺たちと一緒に
この世界を歩いていこう。そうよ、もういいの、もう十分だから。やっと一緒になれたんだから。優しいな、なんて優しい瞳なんだ。あの時俺たちもそんな瞳だったのだろうか。ノア、ミオ、異なる世界にありながら俺たちは命を残せた。それは未来への希望。心と思いは一つになって新しい命を紡ぐことができた。だから大丈夫。信じて進め、その足で。俺たちが目指したどり着けなかった地平へ。お前たちなら私たちの代わりに未来を。Z たちメビウスも世界を守ろうとしていた。だから静止した世界を作り出した。理解できない話じゃない。同じようなもんが俺たちの中にもあるからな。変わるのは、変わっていくのは確かに怖いよな。でもこれだけは言える。たとえ再生されたとしても、その時その一瞬の思いは本物。その思いを犠牲にしていいわけない。不自然な姿はやっぱり間違ってるよ。良いのだな、その選択で。もうすぐ静止した時が動き始めます。今ならばまだ間に合う。いやいやいや、俺たちにメビウスになれってのか。さすがにそれはな。ノア、ah bah pourquoi pas. 何を迷っておる、ノア。進みたいもの、とどまりたいもの。この世界にはいろんな人の思いがあった。俺たちにそれを選ぶ権利なんてあるのかな。私たちのことは気にすんな。お前らが作った未来に生まれてこれるなんて最高じゃねえか。だからよ、望むままにやりゃいい。ゴンド、まあ名前は変わってもいいけどな。ノア、望むものはみんな同じ未来の姿じゃないかな。ああそうだな。未来はそこにある。そなたのこれまでの行動、仲間たち、そしてそなた自身を信じろ。なら答えは簡単だ。
そろそろだぜ。ああ、わかってる。すぐ行くよ。Et l'écologie ? T'as pas honte ? Ah ça c'est pour annoncer le 4. Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que c'est ? Les mots de remerciement. Merci. Merci. 俺と一緒にいてくれて、ミオがいてくれたから、俺はここまで来れた。なんだ、そんなことか。なんだって。知ってるよ。え？私もノアと同じだから。君がいてくれたから、思いを遂げることができた。そうか。そうだよな。うん。だから私からも。Le bisou。ありがとう、ノア。いいコンビだったな、俺たち。まあ、そこそこにね。そこそこ？かなりの間違いじゃねえのか？じゃ、そういうことにしておいてあげよう、ランズくん。なんだよ、それ。もう、一緒に筋トレできないね。ああ、俺がいないからってサボんじゃねえぞ。するよ、毎日ランツのことを思い出しながら。ああ、俺もだ。これを。何これ？ハーブティーのレシピだ。茶葉の焙煎から入れ方まで書いてある。でもこれ無駄じゃね？無駄とは？だって世界が元の姿になったらこの紙だってん？その点に抜かりはない。その紙もインクも君たちの世界のものだ。ここに書いてあるお茶の葉っぱも？当然ださすがだね。僕を誰だと思っている？誰って相方だろ。私の4番目の。4番目？ちょっと待て、ノアだろ、ランツに。もしかしてヨラン？なんで男限定で考えてるの？冷静になれ僕。何？不満なの？せめて2、いや3番でもいい。4番目ってのはちょっと考えとくよ。C'est eux le vrai couple. Jikanda. Au wakare da ne. Ah. Dakedo. Tatoe tooku hanarete mo, ore wa kimi no koto. Hanarenai yo. Itsu datte watashi wa soba ni iru. Omoi wa tsunagatte ru kara.どこにいても。え？どこにいても。おお！私たちの世界はまだ若い。すれ違い、傷つけ合って。それでも進んでいくしかないのだろうな。だけど、信じてるよ。時は離れたとしても、いつの日か必ず共に歩める日が来るって。ありがとう、みんな。
から帰るよ。これが俺たちの世界の全てだ。思い出は朝日に溶けていき、そして新しい一日が始まる。俺たちの前には道がある。たくさんの道が。どれを選ぶかは自分次第。時には迷うことだってあるだろう。立ち止まって泣くことだってあるだろう。だけどそれでいいんだ。道はカナダまで続いてるんだから。さあ前を見て、目指した地平に向かって。それでも進め。Ah, ça finit vraiment comme ça. Ils peuvent plus être ensemble. Sauf dans Xenoblade Chronicles 4, peut-être, un jour, qui sait. Je sais qu'il y a Season Pass, machin, il y a des DLC qui devraient sortir jusqu'à 2023, au secours. Mais bon. Eevee, fini. Il y a un truc que j'ai pas capté alors. De base, les deux planètes, elles se rapprochaient pour refusionner entre eux. Parce qu'elles s'étaient séparées il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années. On est d'accord. Et que justement, ils ont créé l'origine pour en mode sauver tout le monde. Sauf, après, il y a le méchant sentiment qui a fait « Vous avez peur ?» Dans ce cas-là, je stoppe le temps. Un petit « The World !» qui a été fait. On l'a buté. Mais les planètes, elles s'éloignent. Quoi? Mais normalement, ça... Enfin, il devait... devait se refusionner, non? Il y a peut-être un truc qui m'a échappé. C'était pas ça le but, justement, en mode ça devait fusion, mais en fusionnant ça bute tout le monde, donc origine pour stocker la mémoire de tous les gens. En mode
gros serveur de sauvegarde pendant que ça se refusionne. Après, on réapparaît. Sauf Z créé. Parce qu'en mode, vaut mieux vivre dans le présent là, en mode stoppage de temps. Et pour moi, en fait, ça allait pas se rééloigner, j'ai pas capté. C'est trop triste. Mais ils se sont pécho. Et ça, c'est cool. C'est bon. Ah, Manana et Riku qui ont pas eu le bisou, malheureusement. Ah, mais ce boss de l'infini, par contre. Oh là 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 là. Oh, oh. Mais bon. On a le temps de discuter avec tous ces crédits. Alors, comment que quoi dire? Ce jeu, il est bien, il est cool, mais vraiment tellement de petits défauts qui ruinent un peu l'expérience. Rien que tout à l'heure, on a eu ce petit souci de scène. C'est pas la première fois en plus. Mais vraiment, c'est débile. C'est au début, c'est en mode, il n'y a pas de c'est du texte. Après, on demande oui, non, t'es prêt. Après, full cinématique. Tu passes le début, t'arrives au texte, ça te passe le reste. Tu fais. Dans aucun jeu, ça n'existe ça. Je suis sûr, tu peux retrouver des jeux de PS1 où... Est-ce qu'on pouvait passer les cinématiques... Enfin, les textes. Je suis sûr que oui. Il ne faisait pas ça. C'est aberrant. Après... T'as le... C'est les quêtes jaunes. Une quête secondaire... ça, c'est au secours, c'est pas indiqué sur la map ou autre, mais même quand t'es dans une colonie, si tu je serais ne serait-ce fais pas gaffe un petit instant, tu la vois pas, tu loupes tout. Et encore quand ça veut bien apparaître en distance d'affichage, parce que des fois tu passes à côté, ça apparaît même pas, hein. C'est même pas dans ton champ de vision. Bah, la personne qui te donne l'information est dans ton champ de vision, mais le machin n'apparaît pas. Bon, d'accord. Au secours. Ça, ça doit être un truc à cause de la Switch, tous les coups, machin. Après le fait qu'il faille parler en repas, c'est chiant. Parce que, ok, la parlotte de repas, ça se fait beaucoup. Dans Tales of Arise, ça se fait. Mais c'est pour les liens entre les personnages, tu vois. C'est optionnel, si je puis dire. Bon, théoriquement, ça aussi, c'est optionnel. Quoique, si tu veux faire les quêtes de héros, ne serait-ce. T'en as, t'es obligé de passer par là. C'est relou. Et encore, faut-il que ça apparaisse. Parce que pour Reset, la personne n'est pas réapparue. Bon, après, j'ai pas revérifié, mais n'était pas apparue. Je ne sais pas pourquoi. Sachant que j'avais la première partie de la quête. Secondaire nulle pour... En plus, il restait celle-là. Après, t'as la quête héros Reset. Et d'accord. Envie de... Tu portes des coups à des bébés chats. Après, quoi d'autre Oui. Les bails de... comme j'avais dit, c'était... toute cette merde qu'on récupère d'items. Il sert pas vraiment, 90% pour moi ne sert à rien.
Je suis sûr que ça doit servir, mais les vendeurs, ça sert à rien. Je trouve. Genre j'ai acheté une fois histoire d'eux, mais sinon en fait tous les meilleurs équipements tu les lootes ou tu les trouves dans des coffres. Après c'est un peu la base. Vendre. J'ai rien vendu. J'ai peut-être vendu. Tu sais, à un moment j'ai vendu à tout ce qui était en double d'équipement. Mais bon voilà. Les voilà c'est la liste des défauts que je trouve. Et après on va parler des qualités. C'est les micro fabriques. Pour moi au départ je me disais ouais mais ça doit servir forcément genre par pour récupérer des matériaux pour les gemmes ou des trucs comme ça machin et tout. Pareil c'est bon au pif. Après oui les items que tu récupères c'est pour tes listes de membres là pour augmenter les colonies. Tout ça je dois avoir fait peut-être 80 trucs comme ça. J'ai fait tous ceux qui donnaient un item au moins. Après il doit en rester ça pop au fur et à mesure de toute façon, mais voilà. Et encore comme je disais des fois avec le nombre de merdiers que j'ai depuis le début, on a des personnages où on peut leur transmettre des items qu'on a depuis le début du jeu qu'on n'a pas pu faire. Parce qu'on n'a pas les items. Je sais pas pourquoi. Et tout le reste, ok. Pas générique ? Ou... Oh. Non ! もたもたしてっといい場所取られちまうよ。そうだよ、早く早く。ごめん、ちょっと考え事。今行くよ。 Il se dirige vers un vieux perme. Ah oui, Gondor, tout ça. Oula. Ouais, ils ont fait un truc là. Modolift Soft. Ok, je pensais à autre chose, pas à un logo de en mode cinéma. Donc oui, Gondor, tout ça n'ont jamais existé maintenant. Ils sont même pas morts, ils ont pas existé. Voilà. Alors, l'option monter de niveau, un point de repos vous permet désormais aussi de baisser le niveau de vos personnages. Vous recevez de l'XP bonus pour chaque niveau réduit. Accédez au sous-menu personnages et accessoires depuis le menu 1 pour gérer les accessoires de vos héros. On peut faire ça maintenant. Okay, cool. On va sauvegarder sur celle-là.朝日の向こう側に思い出が消えていく。遠く彼方へと遠ざかっていった姿はもう見えない。でも大丈夫。私は忘れない。再び会えるその日まで君のことを。ウェイ。 Je peux parler? Non? Encore des trucs ou... Début du jeu. Ah! Alors, si je fais continuer...
Normalement, c'est la dernière sauvegarde, on est d'accord. Donc là, on est dans le post-game. Ou pas. Bon, bah, c'est pas grave. Est-ce que... attendez, une carte. Vas-y, on va aller là. Point de repos, voilà. Ah, vous avez pas fini encore. Deux secondes. Parce qu'après, il y a à regarder quelques notes. Mina, chanto yasumu yoni. Donc la montée de niveau, est-ce qu'on peut baisser? On peut baisser. D'accord. Parfait. C'est ce qui va être très pratique pour le farm. Mais d'un côté. Donc créer une gem. Attends, j'en parle juste après. Voilà, il y a des trucs. Tu sais pas trop. Voilà. Est-ce que je peux voir mes items? Objet. Voilà. Ah, on a 150 000. Voilà. Vous voyez la toute petite barre là? Voilà. C'est tout le merdier. Quand je dis que 90% de tout ça. Vraiment. Sert à rien. Je ne sais, hein. C'est... Pour moi, c'est beaucoup trop. C'est... Et là, tu peux. Ouais, bon. Après, ouais, c'était là-dedans. Donc, je parlais, oui, de ça. Donc, oui, voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, vraiment, je faisais. Ce qui donne le soutien et ce qui donne un petit item. Voilà, lui, le pilochrome. Et ça, c'est les derniers. Voyons au début. Je crois qu'il y en avait au début, alors. À moins que je suis mauvaise langue. En pluie. Et lui. Lui aussi. Après, c'est beaucoup les nopons, il est vrai. Mais ça va que après. Ouais, ça sert souvent, surtout à ça en réalité. Et même si par exemple tu veux augmenter, reprendre celui-là pour avoir de l'équité et tout ça, par exemple le Surimi, le maillot. Donc toi, t'es. Ah non, t'es vers la fin. Voilà. Mais je suis sûr, ça là, ce qu'il demande, c'est même pas 50% de tout ce qu'on a. Hein. C'est ça le truc. T'es là, tu fais. Mais enfin. Après. Sinon, en vrai, c'est très. C'est plutôt joli. Pour de la Switch, évidemment. Plutôt sympathique. Et le truc que je trouve. Peut-être le plus débile que j'ai appris bien après. C'est. Ça. Monter de niveau. T'as de l'XP bonus. Tu peux monter de level. Ce qui, au final, m'a niqué pas mal de choses par rapport aux classes. Parce que ce qu'il faut savoir. Parce que tu dis. Oh, mais c'est cool. En plus, tu vois, t'as des monstres élites. Le monstre bleu et rouge donne de l'XP bonus qui est en fait en gamasiné après là-dedans et tu prends de l'XP quoi. Donc après tu le dépenses ou tu le dépenses pas, c'est à toi de voir. Mais c'est proposé, c'est même, t'es là tu fais, ouais c'est, ça donne un petit avantage tu vois de pouvoir faire ça. Que nenni. Le truc, c'est que si tu affrontes des ennemis qui sont inférieurs à toi
en termes de level, tu gagnes moins de PC. Encore d'XP, je comprendrais. Mais de PC, donc tout ce qui est point de classe. Et aussi, c'est que normalement, le problème, c'est que ça monte moins vite. Ça. Pour apprendre les classes des autres, ça monte moins vite. Et d'ailleurs, maintenant, tu peux récupérer la l'Edoran. Donc, en fait, tu te dis, ah, ça peut être un avantage. Ouais, je mets un petit peu tout ça, tout ça. Mais tu te fais niquer. Bon, maintenant, tu peux abaisser le level. Donc, c'est dans le post-game, c'est bien. Mais moi, j'ai fini le jeu. J'ai plus envie de farm. C'est le problème. Et ben voilà. Après, c'est dans combien de temps? Laissez-moi voir. Ah, parce que là, t'as le pack de soutien. Ça, tiens, t'as. Oui, t'as. Un nouveau héros et des trucs. Ah, ouais, ça. Pas sûr qu'on les fasse, hein, vraiment. Parce que. Je crois que lui, il sort en novembre. Lui en mars et lui en novembre 23, donc encore espérons que ce soit pas en retard. Bon, bon. Ah, le système de combat, il est plutôt stylé, je dois avouer. J'aime bien faire les combos. Après, technique, hein, combo, tu spammes la touche. tu le fais une fois bien. Après, tu spammes la touche et ça va te la 99% du temps, ça va te faire le combo. Là, le petit cercle bleu. Easy. Les enchaînements, c'est cool, mais je vous jure, j'ai tellement l'impression que ça fait tellement peu, pas de dégâts en fait. Quand tu prends Ouroboros niveau 3, même niveau 2. Et que tu arrives à tout bien faire avec ton ulti, ça fait tellement mal. En fait, vraiment, l'enchaînement, c'est pour l'XP bonus, c'est tout. Après, il doit avoir deux, trois petits machins, voilà. Les gemmes que je sais pas vraiment à quoi ça sert au final, parce que c'est tellement galère. Ça fait pas trop progression aussi, mais bon. En fait, j'ai juste l'impression aussi, tu vois, que ils ont mis des trucs pour augmenter. Un peu artificiellement les le temps de jeu, parce que là on est à 110 heures, donc la cuisine c'est cool, ça donne des bonus. Il faut de la cuisine, il n'y a pas de pêche, faut le renoter, pas de pêche dans le jeu normalement. Je dis pas de bêtises. Et ouais, après c'est au niveau map, tout ça. Tu prends une carte, c'est en fait voilà, là t'as 3 points de TP juste à côté, au secours. Là t'en as 4 au secours aussi. Et les trucs importants, les quêtes secondaires, les machins, à part les points d'interrogation, c'est des points d'intérêt où t'es là, tu fais, ah, il y a peut-être quelque chose d'intéressant, machin et tout, mais parle de cela, hein. Il y a tout ça quand même. Et le trois quarts, c'est avec les trucs jaunes. Donc bon. Qui en réalité, le trois quarts, on s'en bat. Un artiste, je sais même pas c'est qui. Il a un béret rouge, il est stylé, mais on fiche.
Voilà. Après l'histoire, j'avoue, je suis un peu confus. Il y a un truc bien, qu'est-ce qu'on peut dire, le sociogramme. Ouais, c'est rigolo d'avoir mis ça. Calme-toi. Tu peux un peu voir. Mais après, j'ai... En fait, c'est ça, si tu vois, mais j'ai pas l'impression que ça sert à quoi que ce soit dans le jeu, en fait. Juste à part... en mode colonie qui s'aime bien ou qui s'aide ou machin. Et c'est que entre eux, quoi. En fait, ça n'a pas trop d'incidence sur nous, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas. Tu vois, c'est. Ouais, bah après, le monde, il vit sans nous aussi. Donc, ok, mais. Ok, bon, voilà. Au début, ce qui était bien, c'était les affrontements entre deux groupes. C'est, vous voyez, là où il y a les. Je sais pas si il y en a un à côté. J'ai un doute. Ah, par exemple, t'as un groupe d'animaux. Un groupe d'animal. Un groupe, oui, un groupe, donc animal. Deux groupes d'animaux, voilà. Qui s'affrontent. Et quand tu vas vers eux, tu peux choisir un camp. T'apporte en bonus ou l'autre. Vraiment, au début, c'est cool. Vers les 50 heures de jeu, j'ai arrêté de les faire. C'est... Enfin... Mais là, tu fais... Ouais... C'est rigolo, mais... Voilà. Après, les maps aussi, quand tu récupères des maps, mais que en fait ça affiche pas sur ta map. C'est un peu ennuyant. Breath of the Wild le faisait, je crois. J'ai un doute. Mais après, de toute façon, c'est les tours Ubisoft. Tu vas quelque part, tu récupères un truc. Oh, au départ, je pensais qu'il y avait un truc avec les Féronis pétés. En mode, tu récupères une petite carte de la zone, tout ça. Non. Ou même dans le jeu, en mode, ouais, t'as la carte, je crois que c'était le plan de la base du château Keves. Et t'es obligé de découvrir tout. Et là, tu fais, ouais, bon. Wow. Après, je crois qu'il a eu en note. Oui, parce que maintenant, on va regarder. Et après, on va se finir. Xenoblade Chronicle 3. Mais après, je l'aime beaucoup, ce jeu. J'aime beaucoup le jeu. C'est peut-être pour ça que je le critique un peu trop. C'est mon mauvais côté, ça. Alors. Ah, l'avis des joueurs. J'y vais, après, on va regarder sur Metacritic. Avis des joueurs, 16,2. Test, 18. Regardons un peu. Les points négatifs et les points positifs. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup faire ça à la fin. Un scénario captivant et émouvant autour de la guerre et de la mort. Tiens, on me parle. Ah non, c'est pas autre chose. Chut, tu te tais. Pardon. Scénario captivant, oui. De la guerre et de la mort. De la guerre, oui. De la mort, je suis toujours un peu mitigé. Oui, en fait, pour moi, il meurt pas. Donc, enfin, de l'amour, là, ouais. Un casting de personnages attachants et bien développé. Oui. Sauf Senna, malheureusement, sa quête de héros s'est fait escroquer, malheureusement. Des combats intenses aux mécaniques riches et complexes. Intense. Je pense au des. Ouais, en fait, ouais. Après, riche et complexe. Oui, c'est riche et complexe. Mais après, bon.
un peu mitigé. Un gameplay plus dynamique pour rendre le joueur plus actif. Ouais, sauf si t'appuies le Bayoto. Mais ça, c'est toujours bien avoir un Bayoto. Faut pas le retirer. Ainsi, le système de classe pour proposer de nouvelles approches. Le système de classe, il est vrai qu'il est bien. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est que dès que tu dépasses un peu trop le level, et en fait, c'est trop tard, quoi. Et bon, après, là, je les ai augmentés parce que... Bah, les couilles. Hein. À la fin, en mode, vas-y, on fait le gros boss et c'est fini. Mais non. Et voilà. De vastes environnements remplis de secrets à explorer. Oui, il y en a. Peut-être un peu trop grand la map de fin, avec surtout la map où il n'y a que de l'eau. C'est... Too much water, comme on dit. Une bonne son, toujours aussi somptueux. L'OST est très très bonne. Une résolution d'image qui... un point faible. Une résolution d'image qui fluctue beaucoup en fonction des situations. Moi, j'ai pas fait gaffe. Après, pour moi, voilà, tu plisses un peu les yeux sur, au niveau de la Switch et hop. Ça reste la même. Des combats brouillons et confus par moments. Des fois, tu comprends rien. Mais c'est rigolo. Moi, j'aime bien. Tu comprends rien. C'est plein d'attaques de partout. Ça explose de partout. J'aime bien. Après, moi, un framerate qui tout saute à certaines occasions. Ouais. Mais ça, c'est des points faibles, c'est pas lié au jeu en lui-même. Enfin, si, mais c'est le hardware qui fait que... comment tu veux faire? Bah déjà, avoir Xenoblade Chronicle 3 sur Switch, c'est incroyable. C'est... c'est j'ai l'impression que c'est plus fluide que Breath of the Wild, au secours. Une interface chargée qui ne facilite pas la lisibilité. Ouais, des fois, c'est pas... Surtout dans le menu, je trouve que c'est un peu brouillon, parce que tu fais... Ouais, classe, machin, ok, mais si tu veux faire le héros, faut faire ça... Machin, tout ça, bidule, et là tu fais... Calmez-vous. Ouais. Attends. Xenoblade, métacritique. Voyons voir. En méta score et user score 8,6. Bon jeu. D'accord. Après, c'est voilà, c'est un regroupement, donc ouais, Mais on est d'accord, donc en fait, juste avant de finir et donner ma petite on va dire note finale. Donc t'as le royaume de Kéves, c'est Xenoblade 1. Reine d'Agnus, c'est Xenoblade 2. Donc j'ai eu ma confirmation du fait que c'était bien l'Ania du 2. On est d'accord. Donc là, c'est les deux mondes qui allaient se rencontrer. De ce que j'ai bien compris. Cette musique, elle devient relou. Le jeu... En fait, c'est... Je sais pas... Là, je mettrais pas forcément de notes, mais je dirais que pour un JRPG, t'as des trucs, t'as des JRPG qui ont fait des bails avant que en termes de tout ce qui est quête, machin, c'était incroyable. Enfin, pas forcément de comment c'est fait plutôt. Où il n'y a pas trop de soucis. En termes d'ergonomie, ouais, je sais pas. Pas si on... l'ergonomie ou ce...
et que là en fait t'as l'impression que c'est sur certains points c'est revenu un peu en arrière. C'est surtout ça, tu vois, c'est. Et là tu fais. T'as des trucs de JRPG qui étaient avant, et que là tu retrouves pas, alors que c'était très bien, et c'était même des fois un peu mieux. Ils ont voulu changer 2-3 trucs et tu fais. C'est un peu galère. Il n'y a pas de bestiaire. Moi je voulais voir les mécas, les machins, les trucs. Attends. Parce que là on voit les héros, mais. Non, il n'y a pas de bestiaire. Les amiibo qui servent à rien. Si. Peut-être Shulk. Qui a donné un truc. Un item, mais je crois que je l'ai jamais utilisé, donc voilà.